Aujourd'hui, 2 novembre 2018, nous sommes à 4 mois de la 26e édition du FESPACO et la célébration de son cinquantenaire qui se tiendra du 23 février au 2 mars 2019 sous le thème « Confronter notre mémoire et forger l'avenir du cinéma panafricain dans son essence, son économie et sa diversité » avec comme pays invité d'honneur le Rwanda. Président du Comité national d'organisation, c'est M. Yacouba Traoré, qui est journaliste. Vous connaissez bien le FESPACO, c'est l'auteur de l'émission Ça tourne. Le président de la cellule de coordination, M. Jean-Paul Koudougou, secrétaire général du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le vice-président de la cellule coordination, M. Souleymane Ouedraogo, qui est le président du conseil d'administration du FESPACO. Le représentant de la mairie de Ouagadougou, qui est représenté par l'adjoint au maire en charge de la culture, M. Nathanaël Ouedraogo, qui est là. M. Louis Ouézin Oulon, qui est journaliste. M. Guy Désiré Yamero, qui est conseiller donc au FESPACO ici, il est chargé des questions donc des prix spéciaux. Madame Lucie Tiendre-Bergo, qui est en charge des accréditations, elle est quelque part. Monsieur Seydou Zongo ZS, DG du Senasa, qui pour la deuxième fois sera en charge de l'animation culturelle. Il aime beaucoup se fâcher. Mais en 2017, quand il arrivait tout fâché, j'ai dit « Assois-toi, bois de l'eau fraîche. » Il y a aussi de l'aspirine, et j'ai toujours de l'aspirine dans mon bureau. Et puis on continue le travail. Je pense qu'à la fin, il est devenu très doux, très calme. Mesdames et messieurs les membres du comité, vous avez 4 mois de dur labeur. Je vous souhaite du courage et vous adresse par avance toute ma reconnaissance. En ce jour, vendredi 2 novembre 2018, je déclare installé le Comité national d'organisation de la 26e édition cinquantenaire du FESPACO. Je vous remercie.